Bienvenue à l'aide en ligne pour la version canadienne du logiciel ShareWalls. Cette vidéo portera sur la section cisaillement dans le résultat, soit Share Results. Pour cette vidéo, on utilisera la même structure que dans les deux vidéos précédentes, mais avec un ajout de charge manuelle différente. Le fichier du projet est disponible dans la description ci-dessous. On va maintenant générer les résultats et aller à travers ceux-ci. Regardons les résultats du cisaillement pour les calculs de vent avec un diaphragme flexible. L'information la plus importante dans ce tableau se situe dans la colonne au bout à droite, soit le rapport de la force de cisaillement qui a été distribuée à chaque mur de refend, dans ce cas distribué en se basant sur les forces de vent et un diaphragme flexible, et la capacité de résistance. On en rediscutera sous peu. Remarquez que les résultats sont séparés en deux groupes. Les lignes de mur nord-sud et les lignes de mur est-ouest. Les lignes de mur dans une direction sont ensuite regroupées en ordre, 1, 2, 3 dans la direction nord-sud et ABC dans la direction est-ouest, et le niveau de l'étage. S'il existe plus d'un mur de refend dans une ligne de mur, ils seront présentés comme segments 1, 2, 3, etc. À côté du nom du mur ou de la ligne de mur est le groupe du mur indiqué dans les tableaux de Sheathing and Framing Materials. On a discuté de ce tableau dans la vidéo 5.1, Information du projet et données de la structure. Il est important de coordonner tous les groupes de murs avec les différents murs de la ligne, car cela permet de déterminer quel groupe de murs fonctionne pour cette condition de charge particulière. Ici, vous trouverez de l'information sur la direction de la force, le coin critique exposé au vent et les cas de chargement, la longueur du revêtement de hauteur complète, la force de cisaillement dans le diaphragme, ainsi que les unités de revêtement pondérées pour la résistance intérieure et extérieure des assemblages. On y retrouve également le coefficient d'effet pour les ancrages à retenue verticale, la résistance pondérée au flambage des panneaux, la résistance pondérée au cisaillement des segments du mur, ainsi que le rapport, comme mentionné plus tôt. Remarquez qu'il y a une légende sous le tableau qui définit chaque terme mentionné précédemment. La direction de la force est indiquée car l'ampleur de la charge peut varier selon la direction. Ceci est commun lorsque aucun ancrage de retenue verticale est sélectionné avec différentes longueurs de segments dans un mur. Ainsi, JHD variera par la direction. On élaborera cela sous peu. Si la force générée est la même dans les deux directions, both sera inscrit et dans le cas contraire, le résultat du mur pour les deux directions sera indiqué séparément. Les résultats des forces de cisaillement Shear Results incluent la longueur de chaque segment revêtu à hauteur complète du long de la ligne de mur, ainsi que la force de la ligne de mur pondérée divisée par la longueur de la ligne de mur, du mur de refend et du segment par unité de longueur. La section Capacities affiche la résistance de cisaillement pondéré due aux assemblages de revêtements ossature, soit de la CSA 11.5.1.2A ou 11.5.1.3, et la résistance pondérée au flambage des panneaux, 11.5.1.2B, pour les matériaux intérieurs et extérieurs. Aux endroits où les ancrages de retenue verticale sont absents et où des ancrages sont plutôt utilisés, le coefficient d'effet d'ancrage de retenue verticale, JHD, provenant de 11.4.5, sera affiché avec une valeur inférieure à 1.0. Ceci affectera seulement la résistance du revêtement à l'ossature. JHD est en quelque sorte un coefficient de pénalité pour le fait de compter sur les revêtements en bois, plutôt que les ancrages de retenue verticale, pour transférer le cisaillement d'un étage à l'autre. Finalement, la résistance de cisaillement pondéré gouvernant par unité de longueur, soit le plus petit résultat de la résistance de l'assemblage de revêtements à ossature et la résistance au flambage des panneaux, est affichée. Plus important encore, la section Shear Results contient le rapport de la force de cisaillement pondéré total du mur divisé par la résistance au cisaillement total de tous les segments du mur. Si ce rapport excède 1.0, le mur conçu ne peut résister la charge. Un avertissement apparaîtra également sous le tableau.
Rappelez-vous également qu'un avertissement apparaît dans la section du sommaire de résultats, soit Design Summary.